pour Extra Long Range, qui va désigner, comme vous l'avez compris, un avion à très grand rayon d'action. Au sein du catalogue Airbus, cet avion de ligne va proposer aux compagnies aériennes une souplesse d'exploitation à ce jour inédite, puisque habituellement la gamme des avions monocouloirs, c'est-à-dire des sièges de chaque côté et un seul couloir, est utilisée pour les vols court-courriers, vous le savez, puisqu'il faut appeler voyager. Or, avec Airbus A321XLR, le paradigme va changer, puisqu'il est désormais doté d'un émulation à l'heure, un vol à 1 700 km et au cœur de vol sans escale. Conséquence, 244 passagers transportés qui vont retrouver des vols court-courriers, voire même intérieurs, avec un confort identique à celui des longs-courriers. Sièges spacieux, confortables, des écrans de divertissement de 18 pouces, des atouts de choix pour maximiser la sérénité du voyage, quelle qu'en soit la durée. L'exploitation aérienne commerciale, c'est un secteur d'activité où la saisonnalité doit créer des variations de remplissage et de distance à parcourir. De plus, A321XLR devient tout à la fois court, moyen et long courrier. Alors cette souplesse d'exploitation, elle est devenue possible parce qu'on est capable de mettre un, deux, trois réservoirs supplémentaires, mais aussi un train d'atterrissage renforcé. Côté motorisation, une modularité qui est à l'honneur, puisque cet avion sera proposé avec une motorisation Pratt & Whitney, mais si vous le souhaitez, vous pouvez également avoir le CFM Lip. Ces deux motorisations possibles font de l'A321XLR un avion économique, capable lui aussi de voler avec du carburant SAF pour Sustainable Aviation Fuel. La sauvegarde de notre environnement est au cœur des considérations d'Airbus. Airbus qui s'engage pour l'ensemble de ce projet à réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. À ce jour, 560 ans. C'est un jeu de relax de France. Au commande, Philippe von der Stichel. Et Van der Stichel, il est politicien, pilote de chasse, pilote d'essai. Il est également directeur des études dans les écoles d'ingénieurs. Il est accompagné de Yann Bessis. Yann Bessis, qui est pilote dans l'aéronautique Chandal, qui lui aussi a été pilote d'essai sur un même rappel pilote d'avion. Par exemple, la 321, 380, se trouve ici sur le terrain de l'école de Chandal. Et puis, il y a des gens de la maison qui sont tous les gens de la maison. C'est son dernier salon du Bourget. Alors on fait visite à Stéphanie. Et celui qui vient écraser le rapide du monde,